Non, mais j'ai des cheveux, t'as peur. Franchement, je mets pas de ton gros nom. Je déteste les autobronzants. J'ai essayé une fois dans ma vie et ça me dégoûte. En plus, l'odeur des autobronzants sur la peau, après, j'aime pas. Vraiment, j'aime pas du tout. Non, je vais pas laisser ma queue de cheval parce que c'est moche. Étant donné que j'ai un carré, c'est super laid. Je vais mettre une ponytail, donc une plus longue queue de cheval parce que c'est vraiment pas beau là. Attendez. Si, ça s'appelle une brosse à dents. Hop. Franchement, elles sont bien plaquées aujourd'hui. Enfin, presque. On va dire que c'est bien. C'est très bien. J'essaie de trouver des barrettes qui vont bien tenir à mes cheveux. Je suis de Lille. Qui sont bien fermées. Oups, sur le réseau. Là, on est bon. Là, on est bon. Maintenant, ça me saoule parce que j'ai fait la bêtise. Moi, comme tous les mois, j'ai envie de dire, d'enlever mes faux ongles tout seul. Donc, j'ai tout arraché avec les dents. Sauf que du coup, mes ongles, pardon, ils accrochent de partout. Précieux, viens. Viens. Allez. C'est parti pour un petit chignon. Bon, je vais attacher un maximum, de toute façon avec ma ponytail, ça va pas se voir. Donc à la limite, on s'en fiche un petit peu du résultat du chignon. Parce que ça sera caché. Voilà, concrètement. Ah, attendez, je vais chercher ma ponytail. Hop. Hop. Choubi veut dire bonjour, je crois. Non, j'ai jamais porté d'appareil. Jamais, jamais, jamais. Voilà ma ponytail. Enfin là, faut que je la brosse. Parce que la dernière fois, je l'ai enlevée. Parce qu'elle me saoulait. Mais elle a un résultat horrible. En plus, elle est trop bien parce qu'elle est trop légère. Ben, écoute, je regrette mon blond. Franchement, hein. Je regrette pas mon blond. Mais je me dis, ça change. Ça change.
C'est pas mal, on voit bien mes yeux du coup. C'est vrai que le blond, c'était masterclass quoi. C'était ma couleur de cheveux attitrée. J'ai voulu tenter, j'avais jamais rien tenté à mes cheveux. Là, j'ai voulu essayer le foncé. Est-ce que je regrette? Oui. Mais est-ce que j'aime? Oui. Mais j'avais un blond tellement naturellement beau. À chaque fois, on me demandait c'était quoi ma couleur que je demandais au coiffeur alors que c'était mes cheveux naturels. Donc comment ne pas regretter ma couleur de cheveux? J'ai 20 ans. Je vais avoir 21 cette année. Ça y est, 21. En plus, ma queue de cheval est légèrement plus foncée que mes cheveux. Hein. Mais c'est pas choquant encore. J'aimerais bien revenir au blond, mais ça va être compliqué de revoir ma couleur naturelle. Parce que du coup, ça va être tout un truc de décoloration, tout ça. Donc c'est vraiment m'abîmer les cheveux, tu vois. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je laisse pousser. Ou alors que je trouve une solution autre pour pouvoir revenir à ma couleur naturelle et pas abîmer mes cheveux. Mais c'est compliqué, c'est tout un... C'est pour ça, en fait, faut jamais faire de colo, faut garder ses cheveux et pas chercher à comprendre, mais bon. Moi, j'ai voulu tenter, quoi. Déjà dans le monde là ils sont très bizarres. Je sais pas ce qu'ils racontent. Voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression que je me suis enlevé mon bronzer au niveau du front. Mais oui, mes racines elles poussent blondes. C'est logique. En soi. En fait, je me suis enlevée du bronzer avec le gel. Ça fait des marques à mon front. Oh, ça passe là. Hein. Vous avez vu, quand je plaque, on voit, j'ai des reflets blonds dans mes cheveux. C'est très bien. Mais moi, j'ai des lives, je sais pas, ils sont toujours atteints de gens bizarres. Je sais pas pourquoi. Oui, mon chat, il va très bien, merci. Oui, je mets des fossiles. Je mets les naturels de chez Primark. Donc ceux-là, je te montre de suite. En plus, je sais pas, Primark, ils n'arrêtent pas à changer les packagings.